Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel, de retour sur la saison 3 de Heart Medicine Hospital Heat. J'ai commencé la saison 16 ou 17, je sais pas, de Delicious, le miracle de la vie. Donc vous trouverez le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir en fait, hein, parce que c'est des univers qui se croisent. Donc par exemple, Allison c'est une amie d'Emily, etc. Et d'ailleurs, Emily, on peut y jouer dans Heart Medicine, c'est les fameux épisodes avec ce symbole orange et... Et ce motif, pardon, orange et blanc. Donc, là, nous sommes dans l'hôpital de Little Creek. Mathilda est dans les soins intensifs parce qu'elle a eu un accident de la route. Encore une de ses absences provoquées par le fait qu'elle n'arrive pas à se remettre du décès du père de Allison. Moi, je me pose une question quand même. C'est comment elle a réussi à faire un autre gars alors qu'elle était déjà déséquilibrée. Et puis surtout, au bout d'un moment, quand tu perds ta fille psychologiquement et que tu... Bah, ça va pas dans ta vie, bah, je sais pas, tu vas voir un psy. Je veux dire, Allison, elle a 30 ans, je veux dire, ça fait déjà 15 ans qu'elle aurait dû se faire soigner, mais bref. Oh, regardez quoi, il reste 3 épisodes et on a fini les soins intensifs et ensuite on sort en psychiatrie. Là, je pense qu'il y a l'incendie, donc aujourd'hui, aujourd'hui on découvre tout ça. Il faut pas que je reste immobile pour plus de 13 secondes et lâcher les pouces bleus hein, pour Allison et pour l'hôpital et puis pour moi, pour me soutenir, parce que ben, quand vous me soutenez, quand vous faites ça, ben, ça me donne de la visibilité. Voilà, allez, on est parti, on perd pas de temps et puis n'oubliez pas de vous abonner. Oh, bienvenue à notre réunion du personnel avec ma magnifique photo derrière. J'ai découvert un véritable trésor au sous-sol de l'ancien matériel parfaitement utilisable et ça m'a donné une idée. Ces mannequins d'anatomie sont encore en très bon état et il serait dommage de ne pas nous en servir. Alors, je vous invite à travailler avec ce matériel, certes un peu ancien, mais qui pourrait nous permettre de revendre nos appareils neufs et en tirer de générer profit. Mais certaines de ces machines sont en rebut depuis plus de 10 ans. C'est vrai, qui nous dit qu'elles fonctionnent encore? J'ai vérifié, la plupart des appareils sont en état de marche. Quant aux autres, je connais un réparateur qui fera des miracles. Mais vous n'ignorez pas que ces appareils ne sont pas conformes aux exigences de sécurité? Je les ferai tout évaluer au cours des prochains mois par des experts rigoureusement sélectionnés, c'est-à-dire des experts que j'aurai choisis moi-même et à qui j'aurai glissé des petits billets. D'ici là, vous serez évidemment contraint de réaliser plus d'examens manuellement. C'est ainsi que nous procédions à l'époque et personne ne s'en est jamais plaint. Oui, sauf que la technologie, c'est fait pour améliorer les soins. Allez, vaquez à vos occupations. Connor, reviens s'il te plaît. Drague Allison s'il te plaît. Je croyais que tu devais lui parler. Je l'ai fait. Oh non. Oh, pauvre Allison. Oh, regardez, c'est elle, c'est Mathilda. Ça va pas le faire, hein, Mathilda. Oh, faut pas que je reste immobile. Ok, ben... Faut pas que je reste immobile, donc je vais faire des allers-retours entre les chaises. Ah bah, si j'allais m'occuper de la petite dame, en fait. Ah, elle veut un verre d'eau, en plus, elle est pas patiente. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Toi, tu vas là. La boîte de mouchoirs pour la petite dame, parce qu'elle est toute triste que son petit-fils soit malade. Et lui va retourner s'asseoir. Mon Dieu, j'ai oublié de m'occuper de lui. Ah, regardez, il va voir sa maman, il est trop mignon. Allez, on va accrocher toutes les cartes. J'adore ce mini-jeu. Eh ben, écoutez, je pense que... Ah, ça me compte quand je suis arrêté, là, en plus, tout ça. J'ai jamais arrivé. Je déteste rester sur place. Non, je déteste qu'on m'oblige à bouger. Allez, ben, on se retrouve à la fin de la journée. C'est parti. Oh, fin de la journée. Je suis hyper concentré, en fait. C'était... C'est dur, hein, maintenant. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Hein. Faut que je m'occupe de lui. Et... Voilà, je prends le verre d'eau, le mouchoir, je fais ça, il va perdre son petit cœur, le monsieur, désolé. Non, c'est bon. Parfait. Il y va à la machine. Mais regardez, vous avez, j'ai déjà les trois cœurs sans avoir fini la journée. Faut que je bouge, sinon je vais perdre ça, voilà. Elle, c'est bon, elle va pas perdre son cœur tout de suite. Je vais reconforter le petit gars au piercing. Et c'est bon, parfait. Allez, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai trop peur. J'ai trop peur. Trop peur. Allez, oh, salut, toi. J'ai reçu les examens hein, des... Non, j'ai... Je recommence. J'ai reçu les... Ah. Ouh. Je recommence. J'ai reçu les résultats des examens complémentaires demandés par Root. Ok, vas-y, raconte. Pourquoi est-ce que vous travaillez avec une CF-100, ce coucou des années 80? Je t'expliquerai plus tard. Allons apporter ça à Root. Ouh là là. Mon Dieu, mais c'est ça, c'est un des instruments qui va brûler. Et du coup, Victor sera pourchassé pour ça, poursuivi en justice pour ça. Nous avons les résultats. Fais voir. Bon. Ouais. Ouh là là, c'est pas bon signe. Là!
Oh, c'est difficile à repérer, mais il y a de petites anomalies dans les taux d'hormones. Oh, on dirait que le foie dérègle tout. Le fonctionnement quelque peu ralenti du foie de ta mère fait augmenter le taux d'hormones dans le sang et provoque les symptômes dont elle souffre. Les autres résultats peuvent être expliqués par un afflux sanguin insuffisant aggravé par la présence de ces hormones. C'est normal que Queen n'ait rien vu de tout ça, puisque Victor a interdit tout examen complémentaire. Par chance, il est facile de traiter un foie paresseux si on le prend à temps. Il suffit de lui donner un peu d'entrain avec du Livax. Parce que liver, en anglais, ça veut dire le foie. Et ça tombe bien, on en a justement ici. Bon, alors qu'est-ce qu'on attend? Trop cool, on va sauver Mathilda. Mais après, il faut lui sauver le cerveau à cette petite dame. Continue de prodiguer le traitement à Mathilda tout au long de la journée. Ça va sauver maman? Oui, normalement oui. Et voilà, tic tac tchouk. Mange tes comprimés, ta petite perfusion. Regardez, elle est toute dans le coma. Il faut lui injecter du Livax à intervalles réguliers tout au long de la journée. Tu peux faire ça, Alison? Il faut que ça fonctionne. Je suis sûr que ça va aller. Un petit câlinou? Non, même pas. Au revoir. Quoi déjà? Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qui se... What? Pardon. Le jeu commence alors que j'ai même pas le temps. Pardon. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu vas m'attendre, toi, hein, parce que tu es un peu bizarre. Hein. Toi, tu vas aller là. Je fais ça. On va te redresser le petit lit. Voilà. Et on va lui donner à boire au jeune homme. Oh mon dieu, mais lui, il demande tellement d'attention. Allez, c'est bon, t'es content? Encore un petit coup. Tic, 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 tic. Il faut pas que j'oublie ma maman parce que j'ai pas envie qu'elle... voilà, hein, qu'il lui arrive des malheurs. Bon, écoutez, c'est du classique pour le coup, mais c'est vrai que c'est difficile. Franchement, c'est hyper difficile. On ne dirait pas, mais il y a trop plein de... J'ai quand même eu les trois cœurs à faire. Il faut pas que j'oublie ma maman. Et ça, en général, quand le truc il est juste en haut et tout, j'ai tendance à oublier. Et donc voilà. Ok, ok, ok. On fait ça. On va aller voir la petite maman chérie. Regardez, que des cœurs d'or. La vie est belle. Toi, tu vas aller là. Bon, allez, on se retrouve à la fin de la journée. Parce que là, c'est... Mais je comprends pas. Je comprends pas trop. Hein. Je comprends pas tout, pardon. Parfait, non, j'ai oublié la petite dame. Oliver, je l'ai entendu, mais je ne le vois pas. Il est là, voilà. Eh ben parfait. Allez, c'est bon, cette fois-ci. On s'en va. Vite, vite, vite. Ok, parfait. Allez. Oh, j'ai oublié. Ne t'inquiète pas, Alison, je vais prendre soin de ta mère. Désolé. Oh mon dieu. Mais voilà, c'est ça, je suis à... Bon, arrête toi, tu m'as énervé. Bon allez, c'est parti. Allez, cette fois-ci, je n'oublie pas Mathilda. Allez, à tout de suite. Oh, c'était chaud. C'était chaud parce que j'ai raté à un moment donné le défi une fois de plus, vous voyez. J'ai complètement oublié de m'occuper de ma mère, c'est un acte manqué, vraiment, hein, je pense. Et où j'ai raté la dernière? Occupe-toi de lui, fais ça. Ok, on fait ça, on récupère, on donne, on s'occupe de Mathilda. Et c'est tout bon. Ça y est, c'est tout bon. Parfait. Allez, tout le monde s'en va. J'ai les trois étoiles. Oh, mon dieu, ça y est. L'incendie arrive. Ok. Oh mon dieu, tout le monde ravi. Oh, l'attente commence. Faut juste espérer que son foie reprenne le cerveau. Vous voulez quelque chose à boire? C'est une bonne idée. Oh non! De toute façon, on sait qu'elle meurt pas parce que quand il y a l'incendie, lui, il veut pas quitter sa mère. On s'en rappelle au tout début du jeu, il dit non, je veux pas quitter ma maman. Que se passe-t-il? Oh, rien de bon, malheureusement. Son taux d'hormone n'a jamais été aussi haut et son foie ne réagit pas. À croire que les médicaments ont empiré les choses. C'est impossible! Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Elle va peut-être mourir, hein, pour de vrai, hein. Elle va peut-être vraiment mourir dans l'incendie et c'est pour ça qu'Alison fera une thérapie parce qu'elle n'aura pas pu tout dire à sa mère. Oh, soit nous trouvons la cause de ces dérèglements, soit... Peu importe, nous n'avons pas le choix, il faut trouver ce qui ne tourne pas rond. Oh. Non! Oh là là, oh là là! Préparez Mathilda en vue de son opération. Ça va mal finir tout ça. Oh. Oh, Sophia, combien de temps nous reste-t-il avant que son état ne se dégrade irrémédiablement? Je dirais 24 heures, grand maximum. 24 heures! Mais une armada de médecins tend depuis près d'un an de comprendre ce qui ne va pas chez elle. On n'y arrivera jamais. Oh, vous n'y arrivez. Il va tomber dans les pommes. Ah merde, il fait comme sa mère. Oh, dis donc, c'est congénital. Ryan.
Oups! Oh, mais si Ryan souffre de malaise semblable, alors on peut écarter la cause psychologique? Ce retournement de situation. Oh, c'est quoi? C'est une forme d'autisme ou un problème? C'est héréditaire! Ces malaises sont dus à un dysfonctionnement du cerveau et non à une mauvaise circulation sanguine! Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait un malaise comme maman! Mais ça va peut-être nous aider à mieux comprendre ce dont elle souffre. Bon, voici ses symptômes. Malaise causé par le stress, taux d'hormones élevés, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, et tout ceci semble héréditaire. Alors, il ne peut pas s'agir de paragensis, car ça n'induit pas le taux d'hormones élevé. Oh! Allison, une minute, je réfléchis. Et elles ont compris, elles. C'est un syndrome d'Erkins de stade avancé. C'est quoi, en fait, cette maladie? Un syndrome d'Erkins avancé? C'est vous nous expliquer là, parce que... Hello? Quelqu'un peut me dire ce que c'est? Il s'agit d'une mutation cérébrale héréditaire. Les patients qui en souffrent voient apparaître leur cerveau sur leur... dans leur cerveau d'épaisses voies neuronales supplémentaires. Ces voies peuvent interférer avec toutes les zones du cerveau et ainsi créer des variations des taux d'hormones, des problèmes moteurs et parfois même des désordres mentaux. Quand il atteint un stade avancé, le moindre choc émotionnel peut être catastrophique. Les chances de survie sont proches de zéro. Et le seul traitement efficace consiste en une chirurgie cérébrale très complexe lors de laquelle le patient doit être réveillé. Ça tombe bien? C'est dans mes cordes! Tu accepterais de l'opérer, bien sûr, mais un problème de taille se pose. Hier, Victor a vendu notre neuroendoscope à l'hôpital de Queensborough. Eh ben, tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer à l'hôpital de Queensborough. Pourtant, il faudra pratiquer l'opération immédiatement. Et Joe? Joe, vous savez, c'est son petit copain qui est décédé dans la saison précédente. Et elle est enceinte de lui, regardez, il y a son petit bidon qui pousse. Joe m'avait présenté le pilote d'hélicoptère de l'hôpital, je pourrais le contacter. Pendant que Sophia prépare ta mère pour la chirurgie et que tu vas rechercher l'appareil à Queensborough, moi, je vais préparer le bloc opératoire. Hé! Vous rappelez, Allison, elle revient en hôpital, elle revient pas en hôpital, en hélicoptère, pendant l'incendie. Et c'est là qu'elle tombe et qu'elle... Peut-être qu'elle meurt, Allison? Non. Le héros d'une série ne peut pas mourir. On va pas tout de suite. Ryan, tu peux aller voir Connor et le mettre au courant? Ne vous en faites pas, Madame Hart, votre fille va vous sauver. Mais qui va sauver Madame Hart? Et mais qui va sauver Allison? C'est ça la question. Oh, je suis en panique. Mais genre panique complète là. Bon, et ben là, franchement, c'est du grand. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de prendre ça. Allez, on se fait le truc rapidos de chez Rapidos. Allez, c'est bon, je te un petit coussin, je te le remets comme il faut. Et on va. Non, madame. Non, 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 ma petite fille chérie, ne fais pas ça. Voilà, parfait. Allez, on se retrouve à la fin de la journée. Et voilà, c'est la fin de la journée. Ah, j'ai raté mon coup là. C'était bizarre. Bon, j'ai quand même mis 3 étoiles, là. Voilà. Ah, oh, j'arrête jamais la dernière. Voilà, mon dieu, allez, mon dieu, mon dieu. Mais qui est impatient? Si vous êtes impatient, oh, laissez-moi un petit commentaire pour me le dire. Mettez pause et tout avant de savoir ce qui se passe. Franchement, grosse déception s'il n'y a pas le. S'il n'y a pas le truc là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Eh ben, j'encaisse tout le monde, c'est terminé. Je suis trop stressé parce que j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qu'on aime bien qui décède. Par exemple, Chance ou. Non, ils peuvent pas faire mourir une femme enceinte. Donc, Sophia ne peut pas mourir. D'ailleurs, vous avez remarqué, on a joué avec elle. Bon, Alyssa n'est pas morte. Ok, on sait très bien. Puisque. À soigner les patients avec Sam. Ah, c'est peut-être pour nous faire croire que Allison. Non, 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 elle n'est pas morte. Ce n'est pas possible. Alright. Elle est prête? Oui. Oh, au revoir, Queen. Oh, je prie pour qu'Allison soit de retour à temps. Oh, je suis en panique là. Oh. Et ils vont tous mourir. Heureusement, il n'y a plus les patients. Sophia, en plus, le problème, c'est qu'elle va tomber dans les pommes. Elle risque de perdre son bébé, quoi. Non!
Non! Non! Oh, Alison, je t'en supplie! Connor, viens la sauver, s'il te plaît! Ah, c'est bon. Elle est pas morte, ouf. J'espère que Victor, ta carrière est foutue et que tu finiras en prison, sale personnage. Oh non. Cours, 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 Alison, cours! Non! Ils vont pas faire l'opération alors qu'il y a le feu. Vous n'êtes pas... Oh, elle est consciente. Allez, tu ne dois pas rester. Tu dois partir, Quinn m'a tout expliqué. De toute façon, je suis condamnée. Mais toi, tu as encore une longue vie qui t'attend. Elle a raison, Alison, le feu se propage trop vite. Oh, mais Quinn, non, mais qu'est-ce que tu fais, Quinn? Il est bloqué? On ne pourra jamais terminer l'opération à temps. Et il est impossible de la déplacer dans son état. Mais c'est pas possible, mais ils sont horribles les créateurs du jeu. Ils peuvent pas nous faire ça. Je ne partirai pas. Oh, il n'y a plus d'électricité. Oh, allez, écoute-moi. Je refuse d'être celle qui met encore ta vie en danger. Maman, tu n'es pas en position de prendre des décisions. J'ai fui mes problèmes de nombreuses fois. Ali, je ne vais nulle part. Oh, la pratique est souvent bien loin de la théorie, Allison. Mais je sais que tu as abordé ce sujet à la fac de médecine. Oh, et lui, il est bloqué en fait. Je vais aller chercher de l'aide. C'est pas possible, c'est pas moi qui vais opérer ma mère. Oh my god! Oh! Ah mon dieu! On va voir son cerveau et tout? Allez, faites-nous faire l'opération du cerveau là. Oh! On dirait que Queen a commencé à retirer la calotte, mais c'est horrible! C'est horrible, je me sens pas bien du tout là. Oh là là! Pour l'instant, tout va bien. Ah non! Ah non! Oh mon dieu! Bon, versons le produit de contraste sur la totalité de la surface. Ah, c'est dégueulasse. Âme sensible, ça se tenir, hein. Oh là là. Je crois que tout est bien recouvert. Il faut attendre un instant que les zones épaissies s'affichent à l'écran. Ok. Allez! Et elle, elle est là. Elle en peut plus. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Oui! Ces voies neuronales sont très grosses. Si par mégarde nous en incisons une, ma mère, elle, bon, ne pense pas à Alison. Oh, maman, après chaque incision, tu feras ce que je te demande. Alright. Qu'est-ce que je fais? Je clique. Oh, oh là là, mais c'est génial. J'y vais doucement, j'ai trop peur. J'ai trop peur, je vais tout doucement. Il y a le feu là, il y a le feu là. Qu'est-ce que je fais? Ok, d'accord, je l'enlève. Je connaissais même pas cette maladie. Maman, tu veux bien me parler un peu? Que... J'étais venue te voir un jour, tu sais. Quoi? Ça faisait un an que je n'avais pas eu de crise. Tu t'amusais dehors avec ton grand-père. Vous semblez si heureux que je n'ai pas voulu gâcher ce moment. Oh, ça serait horrible. Ils peuvent pas la faire mourir à la fin de l'opération, quoi. Elle va lui... Oh non. Elle va lui dire tout le... Tout ce qu'elle pense et tout, et elle va mourir. Oh non, j'en peux plus. Je suis tellement désolée de t'avoir abandonné, Ali. Ce n'est rien, maman. Mais le moment est mal choisi pour évoquer ce genre de choses, tu ne crois pas? Ok. Je coupe, je coupe. Je suis... What? Non! Allison! Il est temps pour toi de partir d'ici. On a déjà eu cette conversation, maman, je n'irai nulle part sans toi. Mais il peut pas la faire sortir avec son crâne ouvert. Allez, vite. Il va y avoir des séquelles. Maman, tu veux bien serrer le poing puis ouvrir la main en grand? Ok, c'est bon. Oui, je peux le faire, mais je ne me sens pas bien. Ouh là là. Non mais ce jeu est trop bien, franchement je suis désolé, ce jeu est génial. On est d'accord, enfin je sais pas, c'est énormissime. Je dois retirer la voie neuronale qui induit l'augmentation du taux d'hormones. Oh maman! Non! Il faut qu'elle soit consciente. Oh, il n'y a plus une minute à perdre, je dois agir à l'aveugle. Oh non, vous n'êtes pas sérieux, j'ai trop peur. Oh, allez maman, reste avec moi. Vite! Il faut refermer la calotte. Oh mon dieu, non mais regardez, il y a trop de feu. Je refuse qu'Alison meure. Je refuse. Ah c'est bon, elle ouvre les yeux. Ouf. Ali? Maman! Je te pose des agrafes et ça sera terminé. Ali! Maman, je dois terminer. Mais normalement, avec tout ce feu, enfin, la chaleur, la fumée, elles seraient mortes toutes les deux, quoi. Vite, un petit coup de cicatrisation. Vas-y. Parfait. On te met la petite grille. Zut.
Zip, zloup, tchlac. Hop, la petite... Allez, je t'enfonce les petits trucs. C'est impressionnant. En vrai, moi, j'aurais jamais pu faire médecin de ma vie, ni même infirmier. Oh, je t'ai sauvé, maman. Je peux cliquer nulle part. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. J'ai failli pleurer. C'est horrible. C'est Daniel qui vient la sauver. Oh mon Dieu, c'est horrible. J'ai les larmes aux yeux. Oh, c'est Daniel. Ouh, je me sens pas bien du tout là. Je suis désolé, j'ai limite envie de pleurer là. Oh. Oh. Allison, je ne vais nulle part. Franchement, j'ai vraiment cru qu'elle mourrait, quoi. Je me sens vraiment pas bien là. Attendez, je vais couper un peu le jeu et je reviens vers vous parce que là, je me sens pas bien du tout. À tout de suite. Oh. Allez, mais voilà. Ah, trop bien. Bon, ok, je suis content qu'il soit sorti, qu'elle l'embrasse et tout. Oh, non mais là, franchement, j'ai coupé le son parce que j'allais pas bien du tout. Bon, oh, excusez-moi. Bon, bah voilà, je me sens un peu mieux quand même, mais bon, voilà, je sais pas, je suis trop perdu, donc n'hésitez pas à vous abonner hein, pour la suite des aventures et lever les pouces parce que c'était vraiment trop trop bien aujourd'hui. Et puis prenez soin de vous, hein, et puis prenez soin de votre famille et je vous fais plein de bisous et à très bientôt vendredi prochain, voilà, peace out.